Bonjour, c'est Harry Portig et Monsieur Jacques pour un petit let's play. Il faut faire tout ça. Ouah, c'est beaucoup. Alors moi je sais pas du tout ce qu'il faut et faire. Et ben du coup je te propose Harry Portig de jouer. Allez. Tiens, mais est-ce que tu veux un petit pain au lait? Pas maintenant. Ou alors, je vais détruire ce petit moulin. Il va moins faire le malin quand il va me voir. Est-ce que tu peux nous faire une petite DeLorean? J'allais faire une bite mais ok. On va faire une petite DeLorean. Alors c'est mon petit morceau. Marty, vite! Monte dans la DeLorean pour défoncer ce petit moulin! Vas-y, mets-en plein! What? Mais autant de gravité que ça! Faut faire des choses quand même! Mec, il y a de ouf, mec! Je crée la DeLorean tout de suite. C'est un truc de vraiment. Tu peux vraiment faire un truc volant et tout, mec! Salut à tous, bienvenue sur Pimp My Ride. Harry Potter, qu'est-ce que tu vas nous pimper comme caisse ce soir? Alors aujourd'hui, je vais vous pimper la petite DeLorean. Ça va être bien sympa. Ok, d'accord, je vois. Salut, moi c'est Ali, j'ai 25 ans et ça, c'est ma caisse. Pour l'instant, sans vouloir vous offenser, Harry Potter, oui. On dirait plutôt un petit chapeau. On peut porter des DeLorean sur la tête, ça marche. Est-ce que tu pourrais faire Einstein aussi? Je peux essayer de faire Einstein. Ouais, yes, c'est ça. Ouais. La DeLorean. C'est de la merde. Oui. Maintenant, je prends en main cette mission, ok? Je veux pas qu'elle roule, moi je veux qu'elle vole, ok? Je veux te tirer. Tu vas te saboter. Non, mais c'est vrai, c'est pour plus de puissance. Mais si, mec, regarde, attends, laisse-moi faire. Regarde, j'avance un peu. Genre, je lance-flamme. Je m'envole. Une fois que j'ai le bon truc. Il s'envole. Merde, j'ai cramé. Ah moi attends, je vais réussir cette mission. Déjà en V c'est canon. Si tu t'envoles, en fait envole-toi mais plus en avant, comme ça tu vas t'envoler en avant. Et je tire dessus. Et tu tires dessus. En avant, oh, en avant pile poil. Non, mon ballon. Je tente. Oh. Oui. C'est trop dur comme jeu. Moi j'ai c'est absolument tout ce qu'il faut faire. Oh, ça marche pas très bien. Non. Alors, c'est parti pour s'envoler. Ça n'a pas marché. C'est fait. Envolage. Oh non. Harry Potter et ses gros canons, ils ont pété la zone. Bon, maintenant le vrai game commence. Ah, faut aller jusqu'à là-bas. Tu vas voir, mec, je vais faire un hélicoptère. Est-ce que t'es prêt? Regarde ça. Bon allez, là je pense qu'avec ça mec, il faut qu'on aille là-bas. Mais j'utilise un système de canon et de super explo. Oui, oui. Oh. Voilà, ça va me faire gagner en rapidité, ça c'est sûr, ça je vous le dis les petits abonnés. Mais on y croit les cons, ok. Ma machine volante mec, ça appartient en couille. Harry Potter, que t'es prêt? Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? J'ai envie de savoir tes théories. Alors bonjour, Harry Portig, gros professeur de physique quantique et de moteur de voiture. Oui, il s'agit effectivement de moi-même. Créateur de Pimp My Ride. C'est moi-même. Authentique connaisseur de bonne four. Effectivement. J'ai une question à vous poser. Oui, qui est l'analyse de mon œuvre, de ma nouvelle voiture de guerre. J'aimerais que vous analysiez et que vous me dites qu'est-ce que vous pensez qui va arriver là? Selon mes statistiques, ce véhicule devrait mourir instantanément et prendre feu exactement 2 secondes après son départ. C'est ça que vous pensez, professeur Harry Portig? Je pense plutôt. Ah, je suis
Je suis plus vêtu. Je pense que le mieux serait que nous fassions une expérience. Allez, tentons l'expérience. Oui! Monsieur Jacques, je vous déverse le prix Nobel pour votre véhicule. Venez, prenez votre chèque, soyez riche. Bah, sans vouloir me vanter, je m'y connais un petit peu en rinçage de four. En fait, il faut aller là-bas, mais il y a des mines, tu vois. Il y a une mine ici, une mine ici, une mine ici. Attends, mais je pense que je peux réussir avec ce véhicule. Mec, j'ai fait au moins 50 mètres à quoi. Je pense que je sais ce que je fais. Tu pimpes ton ride et tu vas voir, c'est comme ça qu'on va faire. Pimp my four! Alors, on va essayer de voler. Ça marche pas. Ok, alors. Non, mais du coup, t'as perdu les roues qui tournent. Mais putain, les canons sont trop forts, il faut que tu mettes plus de. Mission failed. We'll get them next time. Alors, une skin de la machine. C'est quoi, on va faire un petit véhicule simple mais optimisé. Bip, bip. Oh! Tu vas faire un petit créneau. Oh! Sonic! Tire! Wow! Backflip! En vrai, très bonne machine, professeur. Et moi, je vais lui faire juste au moins une petite tête agréable. Puis un visage géant, mec. Ah, il est vraiment mignon. Oui, c'est Wally. Y'a Jean Turfu, il vient avec toi. Jean Turfu, barre-toi. Jean Turfu, barre-toi. Mais non, tu vas du mauvais côté, mais ici. Oh, Jean Turfu, Jean Turfu. Non. Oui. Ça y est, Harry Fortig a enfin réussi à tuer tout le monde. Ta four a été pimpée. Bleh. Maintenant, abonne-toi. Aucune idée comment. Oh bah vas-y, tire sur les câbles. Ils sont briqués. Oh non. Putain. Tout est tombé à cause des câbles. Bon bah. Harry Fortig. Tu cherchais le standard ce soir? Il est par terre, hein, je te précise. Sale connard. Moi c'est pas mon problème, ok? Une saucisse. J'ai un balai, mais c'est tout. Ok, où est ton balai? Là, regarde. Harry Fortig fait le ménage. Harry Fortig fait le ménage. 6 hours later. Ah, ça va, tu t'en es plutôt bien sorti avec ce standard, hein. Ouais, je suis en train de ramasser tout avec une feuille de PQ, hein.